Là, est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, non, oui. Je sais pas si tout le monde m'entend. Donc, ben, c'est ce que je. Excusez-moi parce que j'ai le casque ou le micro qui est un peu en défaillance. Bon, ça va être réglé. Donc, c'est ce que je veux dire. Bienvenue à tous, c'est YoYo33 qui vous parle en direct sur PlayStation Community. Ah, c'est bon, ça y est, c'est fait, c'est parti. Le micro est lancé sur ce que j'ai vu. Donc, on va faire l'étape 14 du lendemain du Tour de France, Rodness Mendé. Et donc, on va y aller tranquille. On va prendre David Pozzovivo, vu que c'est. On va prendre deux gels café comme ça et on lance la course. Mesdames et messieurs, bonjour. L'arrivée à Mende devrait nous offrir un grand spectacle avec sa fameuse rampe de 3 km à plus de 10%. Nul doute que seuls les coureurs les plus explosifs comme pourront ça. Jouer aujourd'hui les premiers rôles. Ok, je vais attaquer. Ça contre déjà. Attends, on va essayer de prendre un ravitaillement comme ça. Vu qu'on a mangé trop de montagnes. On est bien parti pour le maillot à poids. Même s'il y a encore beaucoup de points à prendre, on ne doit pas négliger cette étape. Ravitaillement. On a assez de points d'avance pour le maillot à poids. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Continuez comme ça. Et bien comme ça, on va garder le maillot à poids. Vu. Voilà. Trop d'efforts, mais donc on va essayer de prendre un petit café. En revanche, il faudra quand même observer l'attitude des équipes de favoris et des punchers pour savoir si les baroudeurs ont vraiment une chance d'aller au bout. On va essayer de prendre un petit café. Donc, on a mis Romain Bardet devant. Bon, espérons qu'on va essayer de prendre un. Eric, il ne veut pas laisser partir trop de monde, alors il fait rouler son équipe. Le groupe de tête est trop important pour bien collaborer. Il risque d'exploser en plusieurs parties. On va essayer de. Le peloton n'a pas abdiqué. Vas-y, Ferrand. On va essayer donc. Tant qu'on est à 34, hein, donc. On a essayé de prendre une montagne. C'est à peu près vallonné, mais bon. Après, il y aura une étape. Il y aura une partie sur le plat. Donc, peloton groupé. L'échappée n'aura pas été loin. Attention maintenant aux contre-attaques. Bon bah, on va laisser tomber. On va rester sagement au chaud. Et d'attaquer, ils vont attaquer. La Cyril Gauthier, Montfort, Hardy, Carosso, Trominoff. Cru du style, je sais pas quoi, un nom un peu bizarroïde. Donc vu qu'on va garder le maillot à poids, on va rester sagement au chaud. Vu qu'on a 70 points d'avance.
pour l'échapper, c'est bien parti. Donc une minute pour l'échapper là, donc là c'est bon, donc on risque de pas perdre le maillot pour aujourd'hui. Donc si vous avez vu l'étape dans les Pyrénées, je crois que c'est l'étape de... que je suis arrivé Jean-Christophe Perrault est arrivé premier, je crois que c'est l'étape Tocoterie, voilà, c'est ça. Peut-être la bonne. Et voici une contre-attaque. Et donc il y a un contre-attaque. Capable de tirer son épingle du jeu aussi bien sur le plat que dans les bosses ou les cols, mais en cas d'arrivée à deux, mieux vaut ne pas miser sur lui. Ben voilà, comme ça, ce sera bon. Donc il y aura 155 km de l'arrivée. Voilà un excellent puncher qui s'est aussi bien grimpé en montagne. Par contre, il vaut mieux pour lui qu'il arrive seul car ses capacités au sprint sont vraiment limitées. C'est clair. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. À Dial et le maillot jaune. Quelqu'un est fan de Vincenzo Nibali. Même s'il passe plutôt bien la montagne, on le décrit plutôt comme un puncher. Donc ça sera pas mal. C'est beau la mer. Oh, c'est plutôt un lac. Hein. Il passe bien les bosses, mais il ne peut pas vraiment compter sur ses qualités au sprint que pour il est beau le ruisseau. C'est pas mal. Donc voici le peloton. Donc 146 km de l'arrivée. Ça va, la tête de course est à 45 secondes. Il reprend le vélo, ça y est. Il y a une chute. Et là, on va remonter une côte qui peut glacer, quoi. Et après on descend. Ça
c'est bien parce que là il y a Jean-Christophe Ferroquier d'avant, il y a Harry Blanc, Villermoz, Dupont, Bettencourt. Et ça c'est bien parce qu'on est protégé avec le vent. Devant, c'est le mieux placé au général. Bah ouais. Là, j'en vais grimper une côte qui va classer et après on va descendre. Là avant d'attaquer la colonne de deuxième catégorie. Le peloton roule fort, restez bien placé. Donc, le peloton roule fort, mais après là... La descente qui arrive n'est pas très pentue. Les coureurs vont devoir continuer à pédaler pour ne pas perdre de temps. L'écart diminue. Le peloton n'a pas abdiqué. Ah oui, on n'a pas abdiqué là. C'est bon. Hein. Là, on va descendre. On va essayer de récupérer une énergie au max. Là. On va descendre. Le groupe de tête, c'est lui le mieux placé pour le classement par points. Écart Michael Albasini est un puncher connu pour remporter ses courses en réglant de petits groupes d'échappés au sprint grâce à sa bonne pointe de vitesse. Ça va, on a un bon peloton. Bon rouleur, il n'a pas vraiment de points forts pouvant effrayer ses adversaires. L'avance de l'échappée diminue, ça va être difficile pour eux.
faut constamment essayer de fabriquer du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. Oui, chef. Oui, chef. Oui, chef. Ah, il y a de l'écho. Salut, Ike. L'écart reste stable entre le peloton et les échappés. Attends, je vais baisser un peu la télé. Je sais pas si c'est pas trop de l'écho là. Ah. Je sais pas, c'est pas trop de l'écho. N'oubliez pas de protéger le leader, les gars. La communication est importante. L'oreillette est là pour ça. L'oreillette est là pour ça, oui, je sais. L'oreillette est là pour ça. Hein. Attends, hop, je vais y mettre en mode auto. Si tu me dis qu'il y a de l'écho là. Ah là c'est mieux. Ouais bon ben ok. Non ben parce que j'avais la télé aussi hein, qui est un peu fort. Hein. C'est quoi, c'est petit écho ou grand écho? Attends que je regarde ça. Si c'est mieux, c'est mieux. Ok bon. Ouais, c'est pas grave. Comment ça va? Oh ouais. Petit niveau du commentateur. Ah ouais, c'est... Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok. Et c'est donc ce soir que tu diffuses Rocket League sur cette chaîne. Ouais ben là je reste au niveau du peloton là. Dans le groupe de tête, c'est lui le mieux placé pour le classement par points. Les autres, regarde, et bon, ça va, bah on va garder le maillot à poids pour... dans les Alpes. Ah! Qu'est-ce que je vois au bout? C'est quoi ce pont là? Attends, non... Attends, je vais sauvegarder la capture d'écran.